C'est pour vous abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner na Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandego oyoza Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi ndeyawa. Attends, masolo nyo seza kakawa. Donc abonnement nyo so. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, Ozalinde on a bino Jomo Kamba. Vous abonnez ma casse na chaîne abino à YouTube. Africa TV Network, je vous ai image des en avance. Jomo Kamba, Africa TV Network. Vous abonnez massivement. Check, c'est pas pareil. Jomo Kamba. Vous dirongez à même d'abonner na channel YouTube ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okipa le grand boss. Visa d'avance muke image. Nde na okipa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Nde na okipa le grand boss. Visa d'avance muke image. Nde na okipa. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a port here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Bonjour. À toutes et à tous, bonsoir, salut les amis. Bienvenue à Live des USA, une mission de moi, Blaise Mokenge. Je vous viens à partir de notre chaîne YouTube, ATN, Africa TV Network. Alors, chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs je vous demande de vous abonner massivement, si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous amène une interaction de qualité, en tout cas de manière quotidienne, selon que Dieu nous prête vie, nous fait grâce. Nous venons chez vous tous les jours dans un léger direct qu'on appelle Premiering Mode pour vous apporter l'actualité et scruter aussi ce qui s'est passé pendant la journée. Alors, comme vous savez, à la continuité de l'information d'hier, Maweja Muteba a parlé après sa décision à Mbujimayi avec une preuve de force dont je vous propose les images. Alors, dans l'avant-midi, la journée était presque paralysée à Mbujimayi grâce Yabatama Ouija, Obaku prouvait la force et les muscles de l'UDPS. Mais lui, à l'obéi, ce qui est démocratie s'exprimait. Nous, les gens de l'UDPS, nous avons tant cherché la démocratie dont nous sommes champions. Il faut tout ce qui est bongo. On va comprendre un peu à Panabeleme Bele au Bandeko. Bazoko balance les bisous au fur et à mesure que tous évoluez dans l'émission. Les bisous, il y a Lilo. Alors, on est à la qui, Makambo, il y a Maweja. Autre chose aussi, les amis, Eric Nyundo, comme vous le savez, celui qui a pris fonction, le nouveau directeur de la presse présidentielle au niveau de la presse présidentielle à Kinshasa en RDC. Alors, Eric Nyundo a pris ses fonctions et en déclarant « Nous avons un nouveau challenge devant nous ». Donc, les nouveaux défis à relever par la presse présidentielle qui a été tant critiquée par beaucoup d'amis, surtout dans les diaspora. Hein. Vous savez, les gens de diaspora critiquent leurs amis, ça a toujours été comme ça. Alors, cela a été en présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions sociales, Olivier Mondongue, qui était présent. Là, je le vois avec une photo de famille avec Abraham Lokabonga, qui lui est à la presse présidentielle. Je préfère que cette fois-ci, Dieu va les aider à suivre souvent Abraham. Il dit qu'ils n'ont pas eu la chance de faire les castings. Les castings étaient faits par le président de la République, par l'intermise de Kabunda Kabun, ou soit par Vital Kamerhe de l'UNC qui tenait à tout prix à caser ses gens dans les boulots. C'est ainsi qu'il a fait ce qu'il a fait. Hein, à Boakeli, en tout cas, tu sais qu'il y a des bateaux, ça va nous prester à Tchibonga Presse. La communication, on va ça comme résulter à Tchibonga Communication. Ça, c'est le service que VK a rendu à Félix Tshisekedi. Il y a un monde qui a des réseaux sociaux. Il y a un monde qui a des réseaux sociaux. Il y a un monde qui a des réseaux sociaux.
c'était ça. Bachaki Batou qui ne comprenaient pas leur travail, qui ne comprenaient pas le sens de la mass communication, la communication de masse qu'il faut comprendre. Comment on fait les PR campaigns, public relations, les relations publiques, la représentation d'une personnalité, Moutouba Fabrikaye, Moutouba Zakabo était communication aux presse, et Zara a été le rôle à Kwangana Makayabo. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, il faut mouto attendre quand même domaine wana azala au travail là bon comme on a biloko yamalonga. Alors ça makamoleki na chez les chefs de l'État. Autre chose, on va parler un peu na makamba Kalev Mutonde a cingi un procès public. Est-ce que oiza foot en avant ou to beza solo Kalev azolo ngapenda ya pour qu'il y ait un procès public? Est-ce que vous êtes très sûr de sa cachette là où il est, parce qu'il est en cavale de sa cachette à l'entremise des avocats? Kalev Mutonde veut un procès public. On va essayer de comprendre cela. Alors, autre chose aussi, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré l'hypocrisie à Baonusien, cette fois-ci. En tout cas, on va féliciter le président Félix Tshisekedi pour la stabilité de la RDC. On va parler de ça dans cette émission. Et puis, Dépêche Moussou, je pense, et Koya, au fur et à mesure que tu as les cas. On va parler aussi du dépassement budgétaire à la présidence. Alors, premier élément, Tomandi Makamoleki, dans Mbujimayi Lelo. Mbujimayi est tombé, la ville était paralysée. Essayez un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans la ville de Mbujimayi. Voilà, ça c'est l'UDPS qui déploie ses biceps
à Mbujimayi. Alors, les activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi de ce vendredi 2 avril dans certains coins de la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Des dizaines de milliers de militants réclamant que l'Union pour la démocratie et le progrès social manifeste contre la destitution du gouverneur Jean-Marie Jamouteba par l'Assemblée provinciale. Prenant la parole devant ses partisans, Jean Maouja a appelé la population au calme et à cultiver la paix. Voici ce que Jean Maouja a pu faire comme déclaration. Vous ne pouvez pas détruire les biens d'autrui. Nous ne voulons pas entendre que vous avez détruit les biens d'autrui. Je veux que c'est ça la démocratie qu'on cherchait. Vous savez que l'Assemblée provinciale est dirigée par l'UDPS. Alors, la province est aussi dirigée par l'UDPS. Quand vous entendez ces gens m'interpeller, ce n'est pas ça la démocratie. Voilà comment ils s'interrogent dans son style un peu. Bon, ce que je sais que Maouja dit que, en tout cas, on devait, tout au préalable, continuer de l'aïe, en tout cas, invitation, qu'on a repassé le délai à 48 heures, donc 2 jours, pour le repasser à l'aïe, moyen de défense. Pour Aya se défendre, selon lui, en tout cas, va violer la procédure. Il y a déchéance. Oyo, ils ont la loi en abisso. Il y a RDC. Alors, il dit, suite à l'incompétence notoire, hein, et puis il y a un gens qui engagé qui est agent fictif. On compte ici 104 personnes. Kakabo, il y a mon pépé. Maouija a engagé Bango sans qu'on ait toute une procédure quelconque. Maouija a pèsé Bango Moussala. C'est pour une des raisons pour laquelle, en tout cas, Balongouli na Moussala. Autre information aussi, Bandeko Touke na Otowele, là, ils ont battu un parti politique décidé à Martin Fayoulou. Alors, naba de réclamation, Bandeko, pour moi, ils sont plus militants de Fayoulou que politiciens. Ils prennent le site de Fayoulou, est-ce qu'il n'est pas mauvais? En politique, quand on fait la politique, c'est bien de suivre son leader, comment il réfléchit, comment il fait ces choses. Moi, ce jeune-là, il m'a un peu épaté, impressionné, mais il a mélangé beaucoup de choses au même moment. Maintenant, déclarer Makamo et Taliba finances publiques. Ils disent que au lieu que Mbongo est logé dans le compte à gouvernement, Mbongo est logé plutôt dans Ndako à gouverneur. Suivez un peu l'élément, ça se passe en Haute-Ouélé. De plus de 70 millions de dollars. Nous avons des tableaux statistiques. 70 millions de dollars américains. Cet argent transite, je parle bien, n'est pas logé au compte du trésor qui est à la BCDC. L'argent de la province transite par le compte du trésor pour être logé dans la maison du gouverneur. L'argent de la province quitte Bob dans une lande cruzère pour être logé dans des maisons de particuliers. Si nous touchons la procédure par rapport aux dépenses publiques, elle est mécanique, anarchique et non catholique. La province est gérée comme si nous étions dans une entreprise privée familiale. La preuve, c'est que nous vous avons même mis en compilation lorsque nous avons écrit à M. Nanga pour lui demander de nous déterminer que les enjeux qu'il est en train d'acquérir, sont-ils de la province ou bien de la propriété privée? Ni vous, l'Assemblée, ni les autres services qui étaient mis en information n'ont donné réponse à cette question. Où devons-nous trouver réponse? Nous nous sommes basés à l'article 8, alinéa 1er de la loi portant statut de l'opposition. Je suis de l'opposition, je représente légalement M. Martin Fayoulou. Si nous touchons la procédure par rapport aux dépenses publiques, elle est mécanique, anarchique et non catholique. La province est gérée comme si nous étions dans une entreprise privée familiale. La preuve, c'est que nous vous avons même mis en compilation lorsque nous avons écrit à M. Nanga pour lui demander de nous déterminer que les enjeux qu'il est en train de...
Donc, dans la réclamation de notre ami, il y a beaucoup de choses. Il y a Kone Nanga, il y a des choses qui devaient être catholiques, qui devaient être protestantes, qui devaient être ceci, cela. C'est à vous dormir des bourses du Méli-Mélo. En tout cas, c'est propre. En tout cas, ça, c'est Martin Fayulu qui s'est incarné dans ces jeunes-là militants de l'ECID. ECID, parti de Martin Fayulu. La bourse de l'ECID, ça veut dire quoi? Nouvelle citoyenneté, un truc comme ça. Je ne connais pas tellement comment ça s'appelle le sigle là, ECID, mais je vais faire des recherches, je vous en parlerai. Ça, c'est le parti, je veux dire, de Martin Fayulu Madidi, celui qui a été le président soi-disant, comme on est toujours élu, hein. Il y a un président élu, c'est comme ça qu'on le connaît dans tous les salons. Alors, au Bandeko, tout changé chapitre, c'est Koyo, Tokei, Namakamo Oeleki, Lelo, donc la présidence de la République. Alors, aujourd'hui, nous savons que Eric Nindo a eu à fonctionner Mokolo. On avait déjà le 5 mars dernier, le président a signé une ordonnance pour le nommer. Alors, ici, il faudrait vous dire que, à interpeller confrère Naye, au niveau de la présidence, qu'il faut doubler d'ardeur. Parce que challenge ou défi, la presse présidentielle ou la communication, la com du président général, à quoi faire face et à mon aîné. Il faudrait à tout prix à comment ça y a image à présent l'opinion, comment faire pour la qu'on n'ait pas raté des moments essentiels que le président est en train de mener dans sa vie. Parce que la vie du président, quelque part, a toujours été médiatisée. C'est quitte maintenant au bureau de la com d'arranger bien les choses avec la presse, c'est-à-dire l'audiovisuel, les caméramans, les monteurs, les photographes et tout ça. Lui, je pense bien que Nindo Eric, c'est un spécialiste. Moi, je l'ai découvert, il a fait un bon travail, a atteint le cursus normal. Moi, je n'ai pas normal, a atteint classe à celui-ci. Il a fait ce stage-là où il a fait. Bon, on a qui est dans ma chaîne MBLE. Moi, je l'ai découvert particulièrement dans Vox Africa. C'est un gars qui parle avec un bel accent. Ça, c'est pas un problème. Moussa Naye, il a aussi un reportage. Son travail, lui, c'est de prendre des décisions rapides par rapport à l'orientation. Il y a quoi dans la presse présidentielle. Là déjà, bon, on a cérémonie au Salema Wana. Ça fait un temps, maintenant, on a une cérémonie à Bongo et Tikala au Salema T. Alors là, c'est. Bon, on a photo de Moussouana, Azana, Abraham, Lwakabonga. Moi, on a photo de Loraye. Hein. Ils sont ensemble en train de chercher à servir le président. De toute façon, je suis en photo. Je suis en photo de Congolais. Abraham, Lwakabonga, Botamana Congo. Papa, n'est Congolais. Un ami à Etienne Tshisekedi. De sur quoi il faut. Félix Tshisekedi a côté l'entourage n'aille des plus rapprochés. C'est normal. Biloko yo quelque part à la présidence, il faut confiance, pèse la capacité. C'est le chef de l'État. Même les chief of staff aux États-Unis, moi j'avais compris, le chef de staff de Barack Obama, c'était son ami. Hein? Moutouzara, chef de cabinet dicté de cabinet président, c'est son ami, quelqu'un qui le connaît. Moutou a yébié, il connaît comment se dit kaka, comment se repose kaka, il connaît ma faiblesse n'aille, ne ma force n'aille. A yébié que, awa, donc comme il a caboyé, on ne peut pas aller vers lui. Ah ouais, il a quoi recevoir à battre. Il faut quelqu'un qui le connaît au préalable. Il a été bon même au tout le monde comprendre le comportement président. C'est, ça n'a pas toujours été comme ça. Le délai de cabinet, chief of staff, hein, il faut gérer bateau pour travailler le président. Et ça, c'est un doctorat, non, non, non. C'est quelqu'un qui connaît le président. Qui connaît quand c'est le bon moment de la porter, de ne pas la porter. Aussi, dans le cabinet, courrier et autre chose, service technique. Le directeur de cabinet, ça doit être quelqu'un qui connaît le président. Si vous avez toi le pays, un président est au pouvoir, on est en train de pousser pour à satisfaire tout le monde. Non, ce n'est pas normal, les Congolais. Alors, dans la cérémonie, on dit nommé par ordonnance présidentielle le 5 mars, Eric Nindo a aussi reçu les clés de commandement de la part de Jean-Pierre Wafuana. Wafuana a assumé intérim. Après, je pense bien, directrice Lydie Omanga, merci beaucoup, chef de l'État, Moi, déçu. Le président de la République arrive à Washington DC. Il est avec Tibor Nagy, avec Mike Hammer. Je pense bien à Pompeo. Présent au Loba, na français, Lydia Wang a dit en anglais autre chose que le président n'a pas dit. Nazaki déçu. Moi, je suis anglophone, je vais en Nambogo. Je connais la sémantique anglaise. Quand quelqu'un dit sans passer, quand Fachi parle, je sais de quoi il parle.
je peux si facilement le dire en anglais. Moi, je suis dans le vie, Marmoussou. Je me dis, mais RDC, ça, nous sommes un grand pays. On veut même prendre le service. Il y a moi, il y a vieux Gilbert Mundela qui a grandi ici. C'est un enfant francophone tout comme anglophone. Il pouvait dire facilement ce que le président disait. Mais donc, on est, c'était si on a fait le nion, on va filmer le téléphone, on va lancer un peu le réseau, on va communiquer avec nous. On va filmer le réseau, on va filmer la TV. Il pense que bisous au vendeur, tout le monde va beaucoup. Non. Biloko Bongo, ça doit passer. L'idée du président doit être interprétée correctement. À part ça, cette dame-là a fait ce qu'elle a fait. Bah, Mérite Naye, il était avec Vital Kamerhe. Bah, c'est une étape à Nairobi. Il a participé aussi de beaucoup. Bon, on a robot le Mérite Naye était par rapport à Moussala, mais incident on a. Ngai po nangai na monaye ke moto yo azabilité ya Moussala Moussala en entier. Ce que ça moto à communication, en cause de la peine interprétée. C'est ça, Biloko Zanengwana. Ou bien là, Abraham lui-même pouvait interpréter, parce qu'Abraham a vécu beaucoup d'années aux États-Unis. C'est un anglophone avéré. Il parle un anglais qui est académique, qui est intermediate level. Il a un niveau avancé anglais, tout comme un français. Donc il peut carrément traduire à propos de Tibor Nagui sans beaucoup d'ambiguïté aussi, qu'on traduit à propos de Félix Tshisekedi sans beaucoup d'ambiguïté. Son ami de surcroît. Bah, qu'on l'avait presque ensemble, ils ont vu presque en Belgique ensemble. Quand il parle, il sait qu'il comprend, il sait qu'il veut dire quoi. Écoute, moi, je préférerais que quelqu'un comme Abraham Lokabanga ou bien Peter Kazadi, bah, tout le monde a Bongo, base la directeur de cabinet, parce qu'ils comprennent bien comment fonctionne mon chef et comment l'homme parle, comment il fonctionne. Oui, ça, c'est mon point de vue à moi. Alors, tu continues, Bandeko, là, c'était à l'étape des présidentielles. Et là, Moussoussou, Ezali, vous savez qu'aujourd'hui, ils ont la fin du mois de la femme. Vous connaissez cette image ici qui a fait le tour du monde. Cette femme-là, Koufi, quand elle est morte là-bas, mon akansi azo melalimi la maman. Maman si akenda naye. La maman était déjà partie. Na rozong la elema yo na ngina no tokene na Lubumbashi là où bambou le betaki. Brasserie qu'on a sérieusement endommagée comme sujet un peu à tampon comme c'est esa image. Tout le monde est mal au machi. Avant tout, on a tout mis en à Mama Oyo, Mark Hammer, de Soukane Kamoa Est, pièce contre pièce. La colère de la pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi sur Lubumbashi s'est déchaînée dans l'entrepôt libre parcours de la brasserie Simba. Les eaux de pluie ont envahi les bureaux et matériaux. Tous les moteurs des camions en stationnement commis à la distribution des produits de la brasserie Simba ont été noyés par les eaux de pluie. Ce matin, à notre arrivée dans le libre parcours, aucun véhicule victime de cette inondation ne peut rouler. La barrière et la clôture en béton armé n'ont pas été épargnées par la rage de la pluie. Le mur, malgré sa constitution, s'est écroulé. La barrière a cédé. Les plateaux, les t-shirts, les fûts de bière à pression, chaises, tables. Vers 19h, tout a été entraîné et emporté par les eaux. Sur ces images amateurs, vous pouvez revivre la scène de Noé dans les libres parcours de Brasimba. C'est pas croyable. Lubumbashi. Lubumbashi. Le barrière se détache. Lubumbashi, c'est compliqué. Des équipes internes de la Brasimba sont à pied d'œuvre pour essayer de faire face à cette inondation. C'est depuis déjà 2 ans que l'entrepôt de la Brasimba se voit envahi par les eaux de pluie. Tout ceci est une conséquence d'un manque d'une bonne politique de canalisation au niveau de la ville de Lubumbashi des eaux. Là, c'est un élément de Lubumbashi. Bon, mon nom est Betty. Bah, des gars, causé matériel à Makassi, bah, moteur, une grande compagnie de la Brasimba était aussi affectée. Tout ça, ils ont la conséquence environnement, ils ont entretenuité. En tout cas, il n'y a pas de prévision. En principe, ce qui est là, on devait continuer à avoir canalisation. Lubumbashi, c'est pas comme Kinshasa. Ils ont un secteur Moussous, ça peut être si facile. Il y a où dégager Bado, Baba, Maï, Bambou, Lawana. On a que ce que Moule Betty Mouké, ça passe, on trouve que c'est normal. Parce que ce que Moule Betty et Bélé, Badega, ou Racima, ils ont raté des bastres. Ils ont moni, Brasserie, on a perdu des moteurs. Ils ont perdu beaucoup de choses. En tout cas, par cette lot-là, des pluies qui est en train de passer. Bon, moni, on a un hangar, il y a un entreposage, il y a Brasserie Simba. Aussi, la brasserie devait être aussi responsable. Le coach Blomou est bien, Bangar, il y a qui toque, ils ont la hauteur.
bando cha biloko ezaka na rez de chaussée de tout ça par défis par effi à quoi investir. Il faut investissement, ils sont un peu malonga bien investi dans un pays quelconque. Bato ils ont beaucoup d'argent, ils ont les monopoles. Na Lubumbashi ils sont là, toko le bara bazar là, depuis Lubumbashi ils sont là, la basse la Simba est toujours été là. Ils peuvent avoir des moyens de bien investir. Bada pe na ba staff bato misale belé, ils peuvent bien arranger les choses. Alors ce que badega matériel oui, et makati. C'est sûr ma compagnie des assurances. Les assurances, je pense que va leur venir en aide pour en tout cas conjuguer calamité eau naturelle que personne n'a pas souhaité, c'est dame la pluie qui est venue dans ce sens-là. Autre que sujet bandeko isa Kalev Mutonde. Kalev Mutonde a lobby par entremise de Bavukane et Alingia ya Basolola, la gouvernement central. Kalev Mutonde, vous savez qu'il est en cavale depuis un temps. Kalev Mutonde, ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement ANR, à travers une correspondance adressée au procureur général de la cour, près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, après ses avocats, dont une copie a été consultée par les médias en ligne, en tout cas, à l'objet, a signé annulation du mandat d'amener lancé contre sa personne pour comparaître en homme libre devant la justice. Bande Kouza Boye, Tango tribunal Bengue Aboudé. Babengue Soso Aboudé. Babengue Soso Akete. Babengue Soso obligé, basa et les mandats. Oyo damini manda wana usala ke smoto muna ye roche maboko akena ye ake usamba kuna no tomba kanga ye akina mlamu wakala parce que là aboyi kop tempere aux autorités a ye bata justice mena awa bandeko est comme compliqué pour lui parce que là où il se cache jusque là ça réussit hein, il a été flic de la république, le premier flic pendant moins une dizaine d'années. Il a beaucoup de maisons bana on peut là des forteresses. Safe house. En français, ils ont forteresse en quelque sorte. Ils ont un discret, ils ont un gouvernement, ou par exemple, ils ont une enquête en cours. Ils ont un témoin clair à faire, ils ont compliqué. Ils ont un calé qui échappe au contrôle. Il y a l'immigration qui se fait d'actuel. Dans une de ces maisons, c'est là où ils se cachent. Dans une de mes missions, ils ont 10 000 balles comme rançon. Rançon, c'est comme prime. Hein. Moteur comme on a Kalev, on a 10 000 dollars. On a vu ce que Kalev va coûter Kaim facilement comme ça. 24 heures, il était bon, maintenant la justice. Maintenant, comme la justice congolaise avance à pas de tortue, bah, on a l'initiative bah, d'aider Wanate. Parce que tout pointe sur Kalev Mutonde, compte tenu, il y a Makambo, il y a l'agression et la violation de l'homme au banc de Kubile, il va se plaindre. Je pense qu'il va avoir une pression pour si on est reconnu rapidement, comme il est en train d'aller dans le procès où il Talibongo. Pour ça aussi, Moukendi, vous voyez qu'il y a une vitesse, hein? Et qu'il y a une vitesse. Madame Wana, Karine, elle a un mauvais coin pour se montrer tant si. Parce que ma témoin, il y a un pointé. De la même chose aussi, les procès où il y a John Numbi. Vous voyez, il y a un procès où il y a Miki Bandaki. Ça va commencer encore malin, mais comme ça. En tout cas, moi, je félicite beaucoup Congo Nengiza qui a avancé. Vous savez, dans les procès Kamere, Kamere n'avait pas été appelé d'emblée comme ça. Moi, je vais écouter. A condamné dans sa émission de Onanga Roger Victor Mouké en Afrique du Sud. Il dit mais Roger, pourquoi est-ce que Baza Koukangab exécutant, hein? Baza Koukangab exécutant, on arrête les gens là qui n'ont rien à faire avec détournement d'argent. Oui, bah, d'abord, bah, tu fais le bâton à Bassot Motorana, Banda, je pense bien, et puis en fin de compte, bah, Koubenga Kamere. C'est quand on appelait Kamereke Maramoubi Baki. Il y a un procès public, ça c'était compliqué. Boibi, tout ce qui s'était passé. Mais la République démocratique du Congo est en train de monter au fur et à mesure. C'est encourageant, vraiment. C'est encourageant. Alors, en se faisant, notre client n'a donc nullement défié la justice de son pays. En conséquence, nous sollicitons à votre autorité, Monsieur le Procureur général, d'ordonner l'annulation du mandat d'amener et de l'avis de recherche lancé contre notre client. C'est ça, Wana Kalev Mutonde. Donc, Ngaï, pour moi, il faut mandat où il n'y a pas de kabongo. Parce que ici, entêté, il doit payer le prix. La justice, on ne badine pas avec l'État. L'État, Moulomatari, l'État de votre pays, on ne badine pas avec. Ça, c'est votre pays, c'est votre république. Bandeko, Congo en avant, c'est notre plateforme, le pays est en train d'avancer. Il y a une initiative, liquid intelligent technologies,
Bandeko, moi ce que j'ai aimé, c'est que Sama Lokonda, Vanda Kiwana, ce n'était pas Ilonga Ilonkamba. Sama Lokonda était là, il était invité. Il y avait les ministres Augustin Kibasa. Et ça, il y a la coopération régionale par rapport à les Kambafi Boutique. Le pays, nous sommes ça, c'est déjà Bandekon Mango. Mais chez nous, dans notre pays, tellement qu'il y avait des gens qui bouffaient des pots de vin à chaque investissement, la famille Kabila en première, Ezaki un peu au devant, Yango, tout était cher dans notre pays. Internet était cher. Data ils achètent, appeler téléphonique normal ils achètent, c'est compliqué. Mais Bandeko initiative à Liquid Intelligence Technologies ils a bien. Tous les ans nous cérémonie de kaki au niveau à RDC et puis tous on a tout développé un peu. Nous tenons ici à vous souhaiter la bienvenue au lancement de Liquid Intelligence Technologies. Et dans ce temps de discours, il sera évidemment question de découvrir qu'est-ce qu'est Liquid Intelligent Technologies et surtout quelles sont ses réalisations déjà faites ici, que ce soit en République démocratique du Congo, sur le continent africain ou à travers le monde. Permettez-moi de vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence à cette manifestation qui consacre le lancement d'un réseau de télécommunications d'intégration régionale. Nous sommes fiers de mettre à disposition une infrastructure qui permettra de relier le pays de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, avec une connexion à haut débit de très bonne qualité garantissant la transformation numérique de la RDC. Nous avons les trois éléments de base pour l'économie numérique que nous lançons aujourd'hui, actifs, opérationnels. La fibre optique avec la capacité massive. La démocratisation de cette capacité en la divisant, partageant pour l'offrir à tout le monde, à la maison, au bureau. Et là-dessus, on met le nuage numérique, le cloud, avec tous les logiciels, tous les services qui vous permettent de développer vos business, développer vos affaires, avoir accès au commerce électronique, envelopper dans la cybersécurité. Alors voilà. Le futur numérique en Afrique est un futur intelligent. Merci à tous. Monsieur le Chairman de Liquid Intelligent Technology, au nom du gouvernement de la République, je voudrais remercier Liquid Intelligent Technology que vous représentez pour avoir décidé d'investir, et j'espère massivement, dans notre grand et beau pays. Je peux d'ores et déjà vous assurer que vous avez fait un bon choix, car malgré les difficultés, notre pays a un réel potentiel pour le développement des affaires. Voilà les gens des ministres qu'on voulait à la tête de ces gens de ministère. Ils vendent l'image du pays. Oui, qui le monte qui m'boka, y'a te qui m'boka, n'y'a te qui m'boka, m'boka te qui m'boka gats. Augustin Kibala a vendu la bonne image du pays. Il a remercié les investisseurs pour les risques qu'ils ont pris en venant chez nous. Il y a reçu la technologie Bango, en tout cas disponibilité. Vous savez, c'est très bien. Bandeko Bazo Koloma Kamwe connexion dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est très bien. Ça sera une connexion, une couverture au moins totale du pays. Donc, on a un problème, tu ma connexion, internet, il n'y a pas de réseau. Non. Mais au moins, on est aussi là. Vous savez que notre pays internet est un fluide pour les amingités. Bon, mon dieu, ça wana, ceux qui par exemple, na niveau y a niveau apetentique qui a répété c'est, ils ont fluidité. Y a moi les banques, bah dans ma source, moi mon sous, bah dans la mienne au moins ils ont été antenne parabolique. Antenne parabolique wana, c'est effectivement pour s'assurer que j'ai moi les soins doubles. Ah, Bandeko Boulim ici, ce qui est ok, Boiti Nasuka, le son est doublé. Bon, tous les cas, Bongo, CNC, j'ai aujourd'hui voulu utiliser deux micros, comme les amis sont pleins que son et Bandeko m'a bien été. C'est ce que je vous allais comme ça, mais vous allez trouver de la place dans votre cœur pour m'excuser. Soyez indulgents aussi de ma part, dans ce cas, Bongo, pour narrater à Malobananga et Komenabino de manière parfaite. Je tenais à dire que Mbokanabiso, il faut l'internet et la compétitif né en Mbokamoussou. Vous savez que ma banque, par exemple, Bazanaba réseau, le monde indépendant. Tant au réseau, on a normal, on a et les KT, bah utiliser bah antenne parabolique, ils arrapent très lent. Ils ont un moyen alternatif Bazanango pour travailler normalement. Pour une opération, par exemple, qui s'est fait
24 heures. On a besoin d'Internet à tout moment pour faire les ventes, pour s'assurer que vente est cotée, confirmation, il y a ma transaction. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne. Western Union, Maligram, ma banque, tout ça, ma vente. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'Internet. Pour le moment, ils ont très capital pour notre pays. On ne peut pas laisser responsable à Internet, on a ma compagnie à télécommunication. De notre gouvernement, c'est irresponsable. L'investissement à Boyende ou Yango, il faut encourager. Vous savez, dans les grands pays, il y a des infrastructures, des compagnies étatiques, des infrastructures générales de base, des fibres optiques, des câbles de communication, pas nécessairement à Oyaki, à Zaki, avant fibre optique. Pour le moment, c'est la fibre optique qui est là. Alors, le gouvernement a coupé sa moto comme monopole, il a diversifié par rapport à la compagnie selon les besoins. Dans la télécommunication, il y en a qui veulent jouer ça pour les appels, pour ma ligne normale, pour l'internet. Vous voyez, alors, ce besoin, on peut se mettre les pays, en tout cas, vous en avez merci, beaucoup de caprices, sur mon petit prix, tous nous en souffrons. Et puis, le pays a besoin. Au moins, il parle déjà de l'intégration, comment ils ont expérimenté cela, comment ça marche. Je pense bien que il faut féliciter notre ministre, Augustin Kibasa, pour l'andengue à côté qu'à image et en bocanabiso à quoi tirer l'investissement vers notre pays. Cela va trop profiter aussi, pas seulement aux Congolais et au reste du monde. Vous voyez que Félix Tshisekedi a toujours dit que en RDC, la première richesse qu'on a, c'est sa population. Kinshasa a au moins, estimation, 20 millions d'habitants, de 15 à 20 millions. Vous savez combien de marchés qu'on a à Kinshasa en termes de télécommunication? Combien de gens vont chercher à avoir un téléphone, avoir une connexion, sur le local internet, qu'on navigue, c'est beaucoup de gens. Tout ça, ils ont force. Rwanda, ils ont tout ce qu'ils ont, ils ont le serveur, mais ils n'ont pas les gens. Batwazawapi. Zéro. Chez nous, on nous envie, on nous convoite à cause de nos richesses. L'une de nos richesses, c'est sa population qui est très grande, qui est très massive et mobile. Bakongole va voyager à Kamingi. C'est pourquoi même. L'émir du Qatar s'est intéressé à la RDC parce qu'il a compris que navigation, par exemple, aux Congolais vers Dubaï, bah, voyage, les Congolais voyagent, ils sont très mobiles. Rwandais, bah, l'infrastructure, mais bah, tout ça, wapi. Ils n'ont pas de gens. Même l'Ethiopie, Ethiopian Line, c'est, bien sûr, c'est un hub pour la sous-région, mais ils n'ont pas les gens comme nous les avons. Congo, tout le monde, tout le monde, Ethiopie, la population. Nous sommes très nombreux, les Congolais très ambitieux, ils veulent aller partout à travers le monde. Et là, on a Sikoyo et qu'on profite Bissot. Canalisons les amis, les uns les autres, et aimons notre pays pour te gagner de l'avant. Alors, Bandeko, Awa, Nazongi Siko, des choses que j'ai parlé avant. J'étais en train de vous parler à Makambo et Talibongo, Mana Mama Oyo. Mama Oyo Koufi, c'est l'image qu'on doit se rappeler pour la paix et la stabilité dans notre pays. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies a dans une déclaration faite à la presse par sa présidente, dont Linda Thomas Greenfield, relevé qu'elle se félicite des efforts fournis par le président Félix Tshisekedi en République du Congo. Donc, en vue de la réconciliation de la paix et de la stabilité dans le pays. Les membres du conseil ont facilité... quand je viens de parler. Ça, c'est montage en temps réel. Alors, les membres du conseil se sont félicités des efforts faits par le président Tshisekedi en vue de la réconciliation et la paix, blablabla. J'en ai parlé déjà. Les membres du conseil ont noté que la stabilité politique et la sécurité, ainsi que la présence renforcer de l'État dans la zone de conflit sont essentiels à la conciliation d'une paix durable en République démocratique du Congo. Vous savez, Bandeko, Biloko, y a Kimia, Kokota, na Est, y a République, Eza, Kaka, souci avec Congolité, c'est aussi les soucis du reste du monde. Parce que si le Congo est dans la paix et dans la stabilité, ça va beaucoup aider Marambobele ou Ekoleka. Niveau où il y a sous-région. Mais malheureusement, Bandeko, on fait beaucoup d'efforts, hein, mais les gens ne voient pas ça de bon oeil. Vous voyez par exemple là, Mike Hammer, Dean Zita, aux ambassadeurs aux États-Unis, na RDC, Moniwana Azar Koulouban, ambassade en particulier. Cela, il n'est pas au hasard. Cet homme-là, Azar, vice-président au Congo, donc il y a Ningwana,
il est partout où son devoir l'appelle. Il veut que sa mission, quand il va quitter la RDC, il doit assurer que Atikagi Kimia n'a pas la vie. C'est ainsi que beaucoup de monde a été, tantôt dans la camine, tantôt avec les soldats, à gauche, à droite. C'est pour cela. Ils ont dit que Chilombo, attaque Mboka chez les Américains. Non, voilà le pam pam. Ça, c'est le pam pam, il faut pas sortir, il faut suivre. Dans ces temps ici, on a pris l'option de suivre les partenariats stratégiques avec les Américains qui vont nous être très profitables parce que les États-Unis, sur le plan infrastructure, il y a armée très avancée, ils peuvent nous venir en aide de manière à ce que tout se retrouve bien comme pays. Tout de la peine d'équipement, bas équipé de manière adéquate. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Le milieu de l'Obaka en haut, il y a une personne qui va donner statistiques. Il y a la force du mal au niveau à l'Est. Bandeko, bote la caca. Là, nous sommes à l'ouest de la République. Pour moi, c'est l'ouest, hein. Kisangani, Ibenge, quoi que ce soit, ça peut être partout là-bas. Ceux qui ont une image à centre, il y a une image à l'Opoani. L'exemple du côté, il y a un peu de. Alors, on a vu l'Est de la République. L'Est de la République, l'Est de la République n'a rien à voir de l'Espagne, de l'Afrique du Sud ou que ce soit. Banda qui ont les a poussés. Le critère bandeko pour qu'un bateau qui soit impliqué dans la tuerie est simple. Ce que mon député national, un politicien, a un immeuble à 3-4 niveaux, il y a un. C'est vrai, un député national en a 3-4 niveaux, salaire naïe et cause la mesure, il a justifié bien dans un angle, mon toit des filles. C'est bien sûr et certes, statistiques dans le lobby, je vous ai dit que il y a 125 groupes armés en totalité dans le niveau Est. Sur les 125, 70, ils ont piloté par le Rwanda, 40, ils ont pour Paul Kagame, 30. Et ça, il y a force au équipement avant. Et puis, nous avons une dizaine de groupes. Alors, sur le Badef Nalu, la dizaine de groupes pour le Badef Nalu, il y a deux groupes burundais, trois groupes ougandais et cinq groupes Banyamulenge. Les Banyamulenge se disent être congolais, les compatriotes sont les congolais. Alors, bango du fait que basa va congolais, n'est-ce pas? Et ça ressemble que bas groupe nyon so, et ça va quintance dans Rwanda et combien belé, malamoko nombre bango et matindi kolo makasi. Alors, ce qui fait que bas force négative wana, particulièrement au exa côté ya kuna, ya Rwanda et combien belé n'amboka nabiso. Alors, on doit ouvrir l'œil. Et l'ouvrir une fois pour toutes. Bande de Congolais, il faut tout faire la mission. Tout faire la mission en haut. Il y a couleur la tête, tout faire la mission de manière spécifique. Il faut tout faire la mission, bande de. Pour qu'on ait un S, qu'on ait un bébé. Bon, l'imbécile, bah, les membres de Zokota, Ndenge, mission Zokindawa. Des éléments qui sont en train de tomber. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de tomber, tel que nous sommes en train d'aller là. Je voudrais, avant de finir mon émission, ne pas vous faire rater, parce que j'avais piqué un élément le matin. Ils allaient qui battent au niveau, il y a Est Kuna, Batomboki, Bajen, il y a Beni, en tout cas, il fallait bah, découdre une fois pour toutes dans le Fnalu. Alors, bah, j'ai na Beni Kuna. Bah, j'ai na Kanda ya Kosanate. Bah, l'ingi bah, découdre dans le Def. Bon, l'imbi si mouke, nazwa élément wana. J'avais l'élément avec moi le matin. Je sais pas, l'élément est parti. Alors là nous sommes toujours là à TN Africa TV Network, émission Yanga Blaise Mukenge. Je vous viens sur notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network.
chaîne YouTube où on a 5 bino pour s'abonner et belé tout comme et belé pour s'abonner massivement pour s'abonner pour s'abonner. Alors awa bato belé ba comme ko bima ba comme ko lomba, je pense bien que ce que la CDC émission sans qu'il y en a qui ne kuna, ça va pas être bon. Je pense bien que je vais laisser ça passer. Les semailles auront pris 39 jours, soit du 20 septembre au 29 octobre 2020, sur une superficie de 1500 hectares répartis en trois blocs, 541, 390 et 649 hectares sur le site de Bukangalonzo. Alors Bandeko, je pense bien que émission ça et comme la souka, on n'a pas terminé l'essentiel de ce que je voulais vous communiquer, non pour les lots. L'essentiel vous a été dit dans cette émission à Bolimbisi, c'était un essai technique par rapport au son, c'est ainsi que j'ai dupliqué le micro, je ne suis pas très sûr de feedback sonore hein, que je viens de recevoir, j'ai ça un petit écho, mais que cela ne tienne, je pense que Bolimbisa. Nous venons chez vous de manière parfaite tous les jours avec une interaction de qualité. Les amis, dans l'article de l'élément Bukangalonzo, de route dans la bonne lobby, au revoir et à demain. Les semailles auront pris 39 jours, soit du 20 septembre au 29 octobre 2020, sur une superficie de 1500 hectares répartis en trois blocs, 541, 390 et 649 hectares sur le site de Bukangalonzo. Pour cette saison expérimentale, le maïs variété SC319 ou maïs blanc a été ensemencé. Les difficultés dues au manque d'accessoires, de pièces de rechange des tracteurs et de transport d'agronomes pour les champs n'ont pas entamé la détermination des équipes du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19. En ce mois de mars, c'est encore une preuve éloquente de la compétitivité de la femme dans tous les domaines de la vie nationale. Des agronomes femmes qui permettent à ces jours d'attendre de ces champs près de 7000 tonnes de maïs. Nous voulons dire au chef de l'État de nous prêter main forte, de mettre l'œil sur Bukangalonzo parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolaises, nous avons la volonté, nous sommes aptes et capables. Nous sommes des ingénieurs agronomes du Congo, nous sommes aussi capables de faire tout ce que les d'autres ingénieurs sont en train de faire. Voilà aujourd'hui les résultats de tout ce qu'on a fait ici. On nous disait que c'est rien, il n'y a rien, nous ne sommes pas capables. Mais vous-même, vous voyez dans des vidéos les résultats que nous avons donnés. Que les chefs de l'État puissent prendre en charge ces parcs, que ces parcs puisse développer, puisse donner naissance à d'autres structures, à des petits projets agricoles qui vont accompagner les parcs pour un bon développement de notre pays. L'exploitation agricole du parc agro-industriel est encadrée par une femme. Une femme, comme les chefs de groupement ont dit, c'est sans elle, on ne pouvait pas aboutir à ces résultats. Elle s'est humiliée, elle a fait de tout son être et maintenant, on l'a accordé une chance. Sans elle, je ne pense pas qu'on allait aboutir à ce qu'on a. Parce qu'avec les difficultés qu'on a eu à prouver depuis qu'on a commencé ce travail, ça n'était pas facile. Nous disons merci à tous les autres agronomes, hommes, qui ont été toujours tout proches de nous. Que les chefs de l'État viennent récolter les maïs à Bukangalonzo, qu'ils voient ce qui se passe ici à Bukangalonzo. Les raisons dit nous ne voulons pas, nous voulons que les chefs de l'État viennent parler avec nous, récolter les maïs que nous avons fournis. Le dommage causé par le retard du financement au moment de ces mailles devrait à tout prix être évité en ce moment de moisson. C'est un cri de cœur de la coordinatrice adjointe en charge de l'exploitation et de production du programme. À Bukangalonzo, nous avons les engins, mais nous n'avons pas de pièces de rechange. Nous avons le matériel, mais abandonné en soi-même, heureusement que maintenant nous essayons un peu de faire de notre mieux. Je pense que en tant que femme, nous nous disons que nous espérons, parce que nous plaidons à ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le chef du gouvernement, qui puissent en tout cas
nous soutenir et nous donner la main forte. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en plein récolte. Et nous demandons à ce que le ministre de l'Agriculture, qui nous a toujours soutenus, d'avoir encore beaucoup de regard à notre égard, afin que nous puissions continuer notre travail jusqu'à la transformation et à la vente de tout ce que nous produisons. Ce programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid, dirigé par M. Wangi Di Mathieu, est une belle trouvaille pour approvisionner Kinshasa en maïs blanc venu de Bukangalonzo après une longue période de silence sur ce site. Si la volonté y a, la possibilité de garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais n'est pas un mirage.